Aujourd'hui, cordon bleu maison ultra généreux, super bon et sans porc. Bonjour, je m'appelle Cyril Rouquet-Prévost, bienvenue sur ma chaîne. C'est parti pour la recette. Je choisis des belles escalopes de dinde chez mon boucher. Avec le plat d'une lame de couteau, je les tape pour les aplatir au maximum. Je garnis généreusement d'une tranche de mortal. Je rajoute une tranche de cheddar, puis du bœuf séché, deux tranches, et je recouvre d'emmental et de cheddar. Je ferme mon escalope de dinde et je réserve au frais. Pour faire la panure, je fouette un œuf entier avec un petit peu de lait. Je prépare de la farine et de la chapelure. Je roule tout d'abord mon escalope de dinde dans la farine. Je tapote un peu pour éviter l'excédent. Puis je trempe généreusement dans l'œuf battu et je termine par la chapelure. Et c'est reparti pour un second bain, même opération, dans la farine, on tapote pour enlever l'excédent, dans l'œuf et enfin dans la chapelure. Je graisse légèrement une feuille de papier sulfurisé, je dépose dessus mes cordons bleus, je sale, je poivre et je recouvre légèrement d'un petit peu d'huile végétale. Je les enfourne 30 minutes à 180 degrés. Je sers avec une bonne salade bien assaisonnée. Et regardez, mes cordons sont croustillants, ultra moelleux et bien fondants. Si cette recette te plaît, abonne-toi. Merci d'avoir regardé et à très vite.